Salut gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit Forza Horizon 4. Donc comme vous le voyez, il y en a qui vont être contents. C'est l'annonce du RP Taxi. Ça va être la reprise les gars du RP Taxi, la saison 2. Donc on a décidé avec Lucas de reprendre les rênes du RP Taxi parce qu'on ne nous a pas laissé l'occasion de pouvoir le continuer la saison 1. J'expliquerai pas tout dans les détails pour éviter que la personne se fasse harceler, je citerai pas son nom. Mais grâce à elle, on n'a pas pu continuer un RP qu'on aimait vraiment. Ce n'était pas vraiment son avis. Voilà, bref, nous on aimait bien ce RP, on voulait le continuer, on s'est tapé des bonnes barres. Ça a permis à tout le monde de créer un lien en fait. Vraiment, c'est avec ce RP qu'on s'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais qu'on s'est créé un petit lien et qu'on s'est vraiment un petit peu plus consolidé dans notre amitié entre nous, tu vois, entre vidéaste et viewer. Ça a créé vraiment un lien entre nous et vraiment, on s'est tapé des bons délires dessus. Tous ceux qui n'ont pas pu voir ça, qui n'ont pas pu en profiter, c'est en VOD les gars, vous pouvez toujours les checker, c'est sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist spéciale taxi. Vous en avez pour des heures à tout regarder, mais il y a des épisodes qui valent vraiment le détour. Franchement, je peux vous l'assurer, il y a des épisodes où c'est un peu le bordel, c'est normal, il y a des épisodes où il se passe rien, mais je laisse les épisodes entiers pour montrer que voilà, nous on est authentique, il n'y a pas de souci. Allez les checker, vous allez vous taper des barres. Bref, sur ce, c'était pour vous annoncer l'ouverture du RP Taxi saison 2. Donc ça fait plaisir, je vais toujours être avec ma petite Ford Fiesta ST pour commencer, la Ford Fiesta ST de Rémi, frérot Rémi Gaillard. Donc là, qu'est-ce qui se passe les gars? Comment on fait pour rejoindre le RP Taxi? Donc pour rejoindre ce RP Taxi, tu vas devoir acheter une voiture, t'as un budget maximum de 30 000 crédits, pas 1 000 de plus, pas 200 de plus, 30 000 maximum. Tu prends une deux portes, une quatre portes, c'est à toi de voir. Tu ne la règles pas du tout. Tu l'achètes, tu la laisses telle quelle sortie d'usine. Tu ne mets rien dessus. Tu montes pas au maximum de fond de classe ou quoi. Tu ne fais rien. Tu la laisses comme elle est. Si tu l'as achetée en A500, tu la laisses en A500. Sinon, ça va être trop cheaté. Il y a des personnes qui savent vraiment bien régler. Et chapeau à eux d'ailleurs. Il y a des personnes qui savent faire des bons réglages. Et le problème, c'est qu'on va être trop désavantagés, ceux qui ne savent pas en faire. Donc, et ça va être un peu trop le bordel dès le début. Donc voilà, vous inquiétez pas, le tuningo va arriver au fur et à mesure du temps. Donc, c'était pour dire que ça commence. Donc, je vais vous montrer, je vais vous faire un tour du propriétaire pour que vous voyez comment est mon taxi plutôt, pour que vous puissiez faire le même façon de parler. Donc, je vous disais, pour vous inscrire, il faut nous envoyer un message avec votre véhicule à pas plus de 30 000 crédits et on va vérifier. Hein. Votre véhicule avec pas plus de 30 000 crédits, des inscriptions taxi. Pas en très très gros non plus, pas un truc tuning moche, mais un truc sobre, un peu dans le même style que j'ai fait. C'est pas vraiment beau, mais c'est sobre, tu vois, c'est ça passe. Un truc comme ça sur les deux portières avant, ça passe. Tu as pas besoin de faire plus gros, fais pas trop petit non plus, sinon ça se verra pas. Ça, c'est dans les conditions. Donc moi j'ai teinté les vitres parce que j'avais envie et que je trouve ça stylé. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez mettre, ça c'est une couleur du constructeur, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez du constructeur, il n'y a pas de souci. C'est cool. Donc après, il faudra nous envoyer aussi votre plaque RP que vous voulez mettre. Donc moi, j'ai choisi UR69BV parce que c'est une plaque que j'avais déjà dans la saison 1. Si vous me croyez pas, vous pouvez aller voir les premiers épisodes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il faut votre plaque. Et il faut aussi que ce taxi ait un numéro, qu'il ait son numéro de taxi. Donc moi, c'est le numéro 69. Donc on saura dans le RP Taxi FH4, saison 2, que le numéro 69, le taxi numéro 69, c'est le taxi de Frag. Par exemple, je sais pas, Lucas, son taxi, lui, il faudra pas qu'il prenne le numéro 69 parce que ce numéro est déjà pris. Il faudra qu'il prenne, par exemple, je sais pas, le numéro 26 ou 38 ou 200. Voilà, c'est à vous de voir. J'ai mis des petits stickers pour le fun, parce que j'avais envie, ceux qui ont suivi la première saison me connaissent déjà et savent que mon taxi, il me semble, à Merco, avait un petit sticker Abu Dhabi à l'arrière et c'était ma marque de fabrique sur le RP Taxi. C'était mon petit délire à moi. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de remettre des stickers, c'est un détail. Donc il faut remplir tous ces critères pour participer, nous envoyer tout ça en message. Donc votre voiture à pas plus de 30K, votre plaque,
et le numéro du taxi. Et il faudra aussi nous montrer quand même en photo à quoi ressemble votre taxi pour être sûr que vous n'avez pas non plus fait n'importe quoi ou que voilà, tout est dans les règles. De toute façon, on vérifiera. Il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs admins que vous pouvez contacter. Donc les admins sont moi que vous pouvez contacter. Donc si vous avez déjà mon GT, vous pouvez m'envoyer un message. Vous pouvez aussi me contacter sur différents réseaux que je mettrai dans la description où il y aura les règles. Si elles sont un peu brouillons, pour l'instant c'est normal. On va sûrement les mettre à jour et si elles ont déjà été mises à jour et qu'elles sont propres, c'est que c'est la version finale. Donc ne vous inquiétez pas, s'il manque des choses, si on veut rajouter, on pourra les corriger à l'avenir, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de Discord, c'est tout sur Xbox, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un voudra faire des vidéos du RP Taxi, il faudra me le dire quand même à l'avance, mais vous pouvez, voilà, je suis pas comme certains vidéastes. Ok, c'est mon RP Taxi avec Lucas, c'est notre RP Taxi, mais vous pouvez quand même vous faire plaisir et pouvoir filmer si vous avez envie. Il n'y a pas de problème. Tant que c'est pas à terme péjoratif ou de ruiner notre RP ou notre réputation quand même, ou ma chaîne YouTube, voilà, tant que c'est à but de vous faire plaisir personnellement ou comme vous voulez, tant que c'est pas péjoratif, il n'y a pas de souci les gars. Tant que c'est pas négatif, moi, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. On est quand même là pour s'amuser, on n'est pas là pour être des tyrans non plus. Par contre, il faudra respecter les règles, mais vous verrez qu'on pourra passer des moments de délire quand même à des moments, parce qu'il y en a qui vont se prendre des amendes, etc. Enfin, si vous voyez pas de quoi je parle, regardez certains épisodes de l'ancien RP, de la saison 1, et vous allez comprendre, vous allez taper des barres, franchement, et des épisodes qui sont énormes. Je sais que je bégaye, mais j'ai une appréhension, et je suis quand même excité de refaire ce RP, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, et c'est quelque chose que j'ai kiffé ma race, faire la saison 1 avec les poteaux. C'était vraiment un bon bail et j'ai vraiment envie de faire la saison 2, j'ai hâte. Ok, il y aura peut-être des tensions à certains moments, mais ça arrive, hein, même les meilleurs amis, même les meilleures amitiés, il y a toujours quelques tensions des fois. C'est normal, on règle le problème et voilà, on n'en parle plus. Il n'y a pas de souci, voilà, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui. Bref, donc je vous disais, excusez-moi, je suis un peu parti loin. Donc je vous disais, parce que ça me tient vraiment à cœur, je vous disais les admins. Donc il y a moi, Lucas2508, que vous pouvez contacter sur Xbox. Il y a le petit Faucon Tuning 69 que vous pouvez contacter sur Xbox aussi. Et il y a Maxence LeBG que vous pouvez contacter sur Xbox. Ça, c'est les quatre admins. Donc pour lancer chaque session de RP Taxi, il faudra un admin minimum, sinon c'est pas possible les gars, sinon ça ne comptera pas. Donc ça ne sert à rien de nous dire ouais, on lançait une session, il n'y avait pas d'admin, ça comptera pas. S'il n'y a pas un admin qui m'a validé ou qui m'a envoyé vos salaires, etc., ça ne comptera pas. Parce que sinon c'est un peu abusé, tu vois, n'importe qui peut faire ça toute la journée et c'est bon quoi, le RP Taxi il a tout ce qu'il veut. C'est pas comme ça que ça marche, on n'est pas là pour faire n'importe quoi non plus. C'est quand même un minimum encadré. Donc, si vous voulez participer, envoyez un message à l'une de ces quatre personnes. Je viens de vous citer leur gamer tag. Vous inquiétez pas, toutes les règles vont être mises sur les réseaux. Il n'y a pas de souci sur mon profil Facebook, sur ma page Facebook, sur Twitter, sur Insta. Je vais essayer d'y mettre, mais Insta, je suis pas encore en pro. Je suis pas trop un génie d'Insta. Sur Snap, j'ai peut-être essayé d'y mettre aussi. Donc voilà, ça va être mis vraiment un peu de partout. Je vais peut-être y mettre là dans la description aussi. Voilà, les règles vont être vraiment mises de partout. N'hésitez pas à les lire avant de vouloir participer pour bien prendre connaissance des règles et voir un petit peu de quoi il s'agit quand même, parce qu'on n'a pas écrit les règles pour rien. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à envoyer un message pour poser des questions, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il n'y a que 4 admins, mais on verra par la suite s'il y a vraiment beaucoup de demandes. Et voilà, comme ça, je mets plusieurs admins, ça permet de pouvoir faire des roulements. Si par exemple, je sais pas, moi, si je suis pas là et que Lucas il est pas là, vu que c'est nous les deux, comment dire, pas créateurs, mais on va dire ça, façon de parler du RP, si nous on n'est pas là et qu'on peut pas, bah si un admin qui est chaud, vous le contactez. Si vous êtes 12, c'est bon, vous lancez une session en RP, ça dure 1 heure et voilà, on n'en parle plus, tu es RP taxi. Donc j'ai oublié de préciser, il y a une demi-heure où vous êtes taxi pendant une demi-heure et il y a une autre demi-heure où vous êtes flic. Donc tout le monde va passer flic. Il n'y a pas de je veux pas être flic, nanana. C'est un roulement. Il y a une équipe de 6 qui est taxi pour la première demi-heure et l'autre équipe qui est flic. Et après ça s'inverse, on inverse les rôles. Voilà.
Vous inquiétez pas, il y a une PUC quand vous êtes flic sur les amendes, tout ça. Vous inquiétez pas, les gars. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre pour le RP Taxi, n'hésitez pas à nous envoyer un message, à nous contacter. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que 90% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Donc, les gars, je veux voir des abonnements, je veux voir les 10 000 abonnés arriver un jour. Ce serait gentil de votre part, ce serait cool. N'hésitez pas à lâcher un gros like si vous êtes content. Pour le retour de ce RP Taxi, il y aura d'autres vidéos RP, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres choses que le RP Taxi pour ceux qui ne sont pas fans. Vous inquiétez pas, j'ai pas mal de projets en tête pour vous faire plaisir. Sur ce, je vous dis ciao la bise les gars, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à tirer les bons tunings.